plus tard. Ouais. Je m'appelle Sarah Gibert, j'ai 20 ans et j'habite à Arles. Bonjour, c'est Céline Mourier, 19 ans et j'habite à Moulesse. Bonjour, Céline Marino, 18 ans et demi, j'habite à Raphaël. Bonjour, Emmanuel Dublé, j'habite à Arles, 18 ans. Bonjour, Herminie Lai, 22 ans et j'habite à Arles. Lisa Guéry, 22 ans et j'habite à Arles. Nathalie Ché, 20 ans, j'habite à Tarascon. Coralie Joubert, 20 ans, j'habite à Arles. Marjorie Isoir, j'ai 22 ans, j'habite à Égalia. Emeline Anjalbert, j'ai 20 ans et j'habite à Arles. Voilà. Et puis, on dirait toute ma joie de vous voir tous réunis, les filles bien sûr, puis les amis qui les entourent du comité des fêtes. Je vous remercie déjà, comme a dit, que disait tout à l'heure que j'ai accepté de vous recevoir. C'est Thomas d'Hébernacle, le lieu mythique de la Camargue, là où Marcel Maillan recevait les candidates au titre de reine d'Arles, qu'aujourd'hui Jacques Maillan et Hubert Yonnet reçoivent les jeunes filles candidates pour le 19e règne. Alors, ben, je voudrais simplement vous souhaiter la bienvenue et à ceux qui vous accompagnent, parce que c'est vrai que pour vous, Jacques nous l'a dit, c'est une démarche un peu exceptionnelle, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je vous félicite de l'avoir fait. Et c'est vrai que c'est pas moi qui l'ai dit, comme on dit depuis toujours, que toutes les filles d'Arles sont reines. Jacques Maillan conduit maintenant les candidates près du tombeau de Rami, un grand cocardier des années 70. Il va leur expliquer pourquoi ce grand taureau est enterré là, sous cette pierre, et quel respect portent les manadiers au grand cocardier. À l'époque, le cadastre était très succès. Plutôt qu'épreuve, pour ces jeunes filles, qu'elles ont l'aisance pour monter en croupe derrière les gardiens, elles auront à le faire de nombreuses fois durant leur règne. Après la Camargue, les candidates vont être accueillies au Muséum Arlatin créé par Frédéric Mistral. Elles seront guidées par la conservatrice des lieux, Dominique Serena. Côté d'une manière ou d'une autre. C'est maintenant autour du Musée de l'Arles antique de les recevoir. Elles vont y retrouver des traces de nos ancêtres. Elles seront accueillies et guidées par Claude Saintès. Monsieur Desjardins, vous êtes propriétaire de cet hôtel ? Effectivement, je suis propriétaire de cet hôtel depuis la quatrième génération. C'est un hôtel qui a été fondé en 1920. Et avec moi, je suis donc le représentant de la quatrième génération. De grands personnages ont fréquenté votre hôtel ? Effectivement, nous avons eu la chance au fil des années de recevoir de grands photographes, puisque l'hôtel fait partie des lieux initiaux des rencontres photos. Et au cours des 35 années de rencontres photos, je pourrais dire, en restant très humble, que les plus grands photographes du monde entier sont passés ou ont séjourné à l'hôtel. Puis il y a aussi des acteurs qui sont passés, il y a aussi des hommes politiques, enfin il y a de temps en temps. Et puis il y a les reines d'Arles, il ne faut pas l'oublier, puisque c'est le cadre de cette magie. Depuis donc c'est la troisième édition, et depuis la troisième édition, les locaux sont à disposition du comité des fêtes pour les épreuves de préélection de la reine.
Après la visite des ors de l'hôtel Arlatan, les choses plus difficiles vont commencer. Une épreuve écrite. Pendant 2 heures, les candidates vont avoir à répondre à des questions. De sélection pour l'élection de la reine d'Arles sans que les membres du jury ne puissent vérifier la capacité de ces jeunes filles à se coiffer elles-mêmes. C'est donc là aussi sous l'œil vigilant et pointu mais très, très sympathique que les candidates montrent leur savoir-faire. Enfin, dernière épreuve, le maintien, la démarche, l'aisance. Dans cette épreuve redoutable, où nos candidates ont, seules, face à tous les membres du jury. Je salue Monsieur le maire d'Arles, notre reine, voilà, et une demoiselle d'honneur. Et puis tous les parents qui sont venus, on sait le rôle essentiel et fondamental que vous avez eu, que vous aurez encore, quel que soit le résultat que vous connaissez désormais, dans la suite des opérations. Emmanuel Dublé. Céline Marino. Céline Maurier. Celle que nous avons retenue, je dois vous dire que nous nous sommes réunis hier et aujourd'hui, et qu'après pas mal de discussions, nous avons innové, puisque nous avons fait ça à bulletin secret et en 2 tours. Donc ça, j'y tenais parce que je ne voulais pas qu'on puisse dire que quelqu'un avait pu influencer qui que ce soit. Alors... à Arles, il est 8h20, nous attendons les 7 jeunes filles candidates à l'élection de la 19e reine d'Arles. Dans la salle du comité des fêtes, sous le regard des 17 reines précédentes, va avoir lieu le tirage au sort de l'ordre de passage des candidates devant le jury. Cet ordre de passage n'a bien sûr aucune influence sur le vote du jury. Mais il est important pour Monsieur le maire, sous le portrait de la Vénus d'Arles et nos candidates. Le jury se concerte, les dossiers sont prêts. L'atmosphère est sereine, mais sérieuse. Les dés sont jetés. La première candidate est reçue par le jury. Et pendant ce temps, Arles bruisse, bouillonne
s'active. Arles défile. Arles va venir voir sa reine. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, le jury très sympathique, je pense, on verra. Maintenant, le plus important est passé, quelle que soit ma place, ça sera très très bien. Voilà. Nathalie, votre épreuve, s'est-elle bien passée ? Oui, l'épreuve s'est très bien passée. Le jury a été très agréable, très, très sympathique. Et c'est vrai qu'une fois sortie, on se sent vraiment, on vient de passer quelque chose d'important. Et on est d'un point de vue soulagé et puis quand même un peu impatiente d'attendre le résultat. Voilà. Donc, Lisa, votre examen s'est bien passé ? Ben, je pense qu'on verra à la fin, en majorité, ça s'est bien passé. Donc il y a des questions qui ont été plus difficiles que d'autres, mais on verra bien. Je pense que d'autres questions ont pu rattraper, d'autres questions qui ont été un peu moins bien traitées que d'autres, mais dans l'ensemble, ça fait. Sarah, votre examen s'est-il bien passé ? Oui, ça va dans l'ensemble, je suis assez contente. Il y a quelques points qui ont été plus difficiles. Il fallait trancher, évidemment, nous l'avons fait, après 3 tours de scrutin quand même, et le jury a décidé que c'était Nathalie Ché qui était élue. À la fête des gardiens, vous savez que dans septembre, c'était notre 500e anniversaire, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Chaque année, on se retrouve de plus en plus nombreux. On a pu le voir tout à l'heure, il y a quand même près de 200 chevaux. Est-ce le premier coq qui siège dans le comité d'élection de la reine d'Arles? Oui, c'est le premier coq qui m'a demandé la durée de d'être des mails à quelle gens qui sont convidés à quelle sélection, qui est trace qui est surieuse. Alors, il y a un moment d'émotion, mais verra, il entre quand même par la durade. Et il y a un moment de joy, il faut vous dire, vert à dire à main. Et c'est force ben des banas à l'entour du Berlionnais. Et c'est ça difficile de choisir la deuxième au vainque reine d'Arles? Alors, c'est ça difficile parce que toutes les chats et les filles qui ont acquis sont en toutes les qualités, un moulon des qualités, mais il faut faire une chose. Et avec l'élection à avec Vouta bulletin secret, il y avait eu 13 tours pour Vouta bulletin secret, et c'est ben des banas, il n'y a pas eu des problèmes pour la chose. Merci.